leur avez dit que j'étais là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Soyez patiente. Ça fait déjà une heure que j'attends. Il ne faut pas que vous sortiez. Pourquoi ça? Il faut absolument que vous restiez au bar. Je peux au moins aller aux toilettes? Oui. Oui, on a besoin de deux voitures de toute urgence au 34 oui, Karlstrasse. C'est un restaurant. Je répète, 34 Karlstrasse. Écoutez, venez, je vous en supplie, je me sens menacée. Faites aussi vite que vous pourrez. Je me trouve au Flamingo Bar, vous savez où c'est? Oui, au moment où j'entendrai vos sirènes, je me précipiterai dans la rue. Vous dites que vous êtes menacée par qui? Je n'ai pas le temps de vous dire ça au téléphone. Écoutez, pour qu'on envoie une voiture, il faut un motif précis. Donnez au moins votre nom. Je m'appelle Anita Wenger. Au Flamingo Bar, venez vite. Ce sera pas long. Quand doit-il arriver? Il m'a fixé rendez-vous. Pourquoi me faire attendre? Aucune idée. Quoi? Une voiture avec une sirène? Oui, elle a bien insisté. Oui, pourquoi est-ce qu'elle veut une voiture? Elle a raccroché sans donner de raison. Bon, s'il y a une voiture qui patrouille, qu'ils aillent jeter un coup d'œil, mais sans sirène. C'est pas la reine d'Angleterre. Allô, ici le bureau central. Suivez-moi. Pas de nouvelles? Aucune trace, on a retrouvé que la voiture. Oui, une voiture volée, j'imagine. Oui, évidemment. Zinkman du C3 à l'appareil. À part ça? Les poches de la victime ont été apparemment fouillées. Salut, Zinkman. Alors, tu as eu le rapport? Dis-moi, qu'est-ce que c'est comme boîte? Tu vas vérifier si la victime y était connue. Oui, mais ça s'est passé devant la boîte dans la rue. À mon avis, le portier a tout vu. Oui, devant la boîte, il y a quelqu'un. Très bien, s'il y a un portier devant, il a donc pu voir ce qui s'est passé. Tu viens me voir plus tard. Entendu? Merci. Ces poches ont été retournées, tu dis? Oui, le contenu de son sac était éparpillé sur la chaussée. Tu peux avoir un café? Comme s'il avait été fouillé. Si c'est un crime, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Le central du commissariat a été alerté hier soir. Une femme en danger qui disait appeler d'un bar dans Maximilianstrasse. Elle se sentait menacée par je ne sais pas qui. Il fallait venir avec les sirènes. Très bien, qu'est-ce que vous avez fait? On lui a demandé si elle pouvait être plus précise sur ce qui lui arrivait, mais elle a préféré raccrocher. Bonjour, monsieur Derrick. Bonjour, Sterling. On peut quand même pas traverser toute la ville en faisant hurler les sirènes, en ayant aussi peu de précision. Non. La femme qui a téléphoné s'appelle Anita Wenger. C'est elle-même qui l'a dit. Tout se trouve dans ce rapport. Pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Les jambes ont été broyées. Le bassin a été fracturé. Il y avait du sang un peu partout. C'est pour te dire ça que je suis venu. Retrouve cet enfant de salaud.
Tiens, c'est là. Bonjour, monsieur Wenger. Oui, qui êtes-vous? Police criminelle. Si vous venez pour ma femme, je peux vous dire qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, votre femme vient de se faire renverser. Elle est morte. Entrez. On dirait que ça ne vous fait pas grand-chose. Quand j'ai vu que ma femme n'était pas encore rentrée, j'ai craint le pire. Parce que ça ne lui arrive jamais. Et dans ces cas-là, elle me prévient. On a le téléphone. Elle passe toujours un coup de fil. C'est ça qui a fait que je me suis posé des questions. Par une voiture, c'est ça? Oui. C'est arrivé à quelle heure? Eh bien, ce matin, à 2h. Votre femme sortait du bar Flamingo. Vous êtes sûr? Oui, mais pourquoi y était-elle? J'en sais rien. Écoutez, ma femme et moi, on était quasiment séparés. On n'arrivait plus à s'entendre. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Eh bien, je suis serveur. Mais pour l'instant, je n'ai pas de travail. Vous êtes au chômage? Oui. Vous recevez des allocations, non? J'ai un peu d'argent de côté. Et j'espère retrouver un emploi au plus vite. Vous étiez serveur au Flamingo? Ça n'a rien d'étonnant. Ça aurait pu arriver. Non. Eh bien, puisqu'il s'agit d'un accident, pourquoi vous me posez ces questions? Vous savez que votre femme a téléphoné au standard de la police depuis le bar où elle était. Téléphoné à la police? En disant qu'elle a reçu une menace de mort. Une menace de mort? Pourquoi ça? Mais enfin, elle n'a pas donné de précision? Non. Elle n'a rien dit. Oh, elle a inventé, c'est tout. Est-elle paranoïaque? Oui. Parfois, elle pensait être poursuivie. Et elle exagérait un peu les choses. Elle aurait été menacée par quelqu'un? Pourquoi? Et par qui? C'est complètement absurde. Est-ce que c'est une photo de votre femme? Oui, elle date de l'année dernière. Est-ce qu'elle exerçait une profession? Oui. Enfin, je veux dire, en ce moment, non. Et je ne sais pas au juste. Enfin, je peux vous prendre cette photo, je vous la rendrai. Si ça peut vous aider. Oui, ça peut être utile. Et votre femme vivait ici avec vous? Oui, oui, oui. Et vous ignorez s'il avait un métier ou non? Cherchez du travail. Bien, venez avec nous. Il faut identifier le corps de votre femme. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui. Allez, habillez-vous. Allô? Non, je crois qu'il est difficile de lui parler. Non, je ne suis pas son mari. Qui est-ce? Une crèche. Ah oui. Oui, ici Wenger. Oui, je suis au courant. Écoutez, il risque d'y avoir un changement. Je passe prendre le petit cet après-midi. Mon fils est dans un foyer pour l'instant et je crois que je vais le garder avec moi maintenant. Il faut vraiment que j'y aille. Non, vraiment, évitez-moi ça, je vous en prie. C'est... Non. On dirait que c'est comme si elle dormait. Bon, attendez un moment. Tenez, avalez ça. D'un seul trait. Il n'y a que M. Romer qui est habitué à ça. Eh oui, c'est exact. On est blindés. Merci, M. Romer. Ah, c'est rien. Et je voudrais... C'est... Oui, oui, allez-y. Merci. Pourquoi lui as-tu tout montré? Parce que je pense qu'il doit tout savoir. Et tu crois qu'il en sait plus maintenant? À toi. M. Klein va vous conduire à la crèche pour vous toujours récupérer votre fils. Oui, mais j'irai moi-même. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas en état de conduire. Oh, comme c'est dommage. Tout le monde ici était habitué à cet enfant.
Il s'était très vite intégré à la communauté. Ça fait longtemps qu'il est là. Oh non, ça ne fait que 8 jours. Il a plein d'amis ici. Vous savez, je suis désolé, mais il faut qu'il s'en aille. Mademoiselle Grossman, Tobias doit repartir avec son papa. Veuillez avoir la gentillesse de préparer ses affaires. Oh, comme c'est dommage, Tobias, allez, viens. Je ne suis pas la seule à penser ça. Tenez, si vous voulez, on va passer dans mon bureau, hein. Pour la facture, vous verrez, elle n'est pas très élevée. Qui est-ce qui vous a amené, Tobias? C'est sa mère qui l'a amené. Voyez-vous, nous sommes presque complets. Mais Madame Winger a insisté en disant que c'était urgent. Et quelle raison vous a-t-elle donnée pour cela? Ça ne nous regarde pas. Elle vous a parlé de son mari? Non, elle n'a pas dit un mot sur lui. Laisse ça tranquille, c'est à moi ça. Oui, je le sais que c'est à toi. Seulement ta toupie, elle est cassée. Eh ben mon père, il va la réparer. C'est amusant, j'ai remarqué qu'il veut bien qu'on s'amuse avec tous ses jouets, sauf la toupie. Ma mère, elle a dit que ça c'était à moi et c'est tout. Et tout le reste a le droit d'y toucher. Tobias, viens mon chéri, viens. Surveillez-moi ce bonhomme et prévenez-nous quand vous aurez du nouveau. La voiture volée appartenait à une entreprise de construction. Ils sont ouverts jusqu'à 4h du matin. Donc, en général, dans la matinée, aucun des employés n'est là. À part la responsable des toilettes, qui est restée pour nettoyer, une employée du bureau. Aucune ne connaît Madame Wenger. Elles ne savent rien. Je vais y retourner ce soir avant l'ouverture. Je crois que les serveurs et le portier arrivent vers 8h. Un portier devant l'entrée, ça ne se voit plus tellement. Ça a l'air d'être assez rupin. C'est une boîte de luxe et leurs prix sont élevés. N'entre pas qui veut dans cette baraque. Ah oui, tiens. Oui, les bars et les nightclubs ne vous concernent pas. Je croyais que c'était plutôt notre rayon. La femme nous a téléphoné de là-bas et une fois sortie, elle s'est fait renverser par une voiture. Donc ça nous concerne. Harry? Oui. Ça fait 8 jours que le gosse a été amené. Oui, sa mère a dit que c'était urgent. Comment ça, urgent? Le mari et la femme sont au chômage et ils collent le petit dans une crèche? Oui, Wenger dit que c'est pour ça, parce que tous les deux couraient après du travail toute la journée. Tu vas prendre la photo de la victime avec toi si tu retournes dans cette boîte. Tu as des renseignements précis dessus? Non, rien qui puisse être utile. Mis à part le fait qu'on rembourse la facture d'un client insatisfait. Mais il n'a plus le droit de revenir. Ah oui? Oh, c'est nouveau, ça. Ils sont si généreux, c'est peut-être par peur de la police. Ah oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Tiens, voilà la photo. Si tu as du nouveau, tu nous le fais savoir. Je vais y aller faire un tour avec Harry, mais je veux qu'il y ait davantage de monde. On y passera plus tard. Vous auriez dû mettre un smoking. J'ai montré la photo à tout le monde et personne ne l'a vue ni reconnue. Et non, tu parles d'une clientèle. Va un peu plus loin, tu ne peux pas stationner ici. Je vous souhaite bonne chance. Si on portait un toast. À quoi veux-tu? On verra bien. Est-ce que tu as vu les gens qui sont arrivés juste avant qu'on rentre? Oui, je les ai vus. Ceux qui étaient avec la femme en blanc. Oui. Et alors? Elle était devant nous et elle a disparu. Où est-ce qu'elle est? Elle ne s'est pas envolée. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié mes cigarettes. Pourriez-vous me passer mon manteau? Un moment, je vais vous le donner. Votre ticket, s'il vous plaît. Non, ben, laissez, je vais le faire moi-même. Excusez-moi, mais c'est contraire au règlement. Vous savez, si la direction savait oui, que je comprends. Non, j'ai plus de cigarettes dans mon manteau. Vous vendez les assurances contre les taux de mémoire? Oh, je pense que ça n'existe pas encore. En tout cas, ce serait bien pratique. Oh, tout à fait d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous êtes gentille. Das man sagt,
On dirait qu'il y a une issue dans le fond, soit par le vestiaire ou bien alors par les toilettes. Il y a un haut-parleur qui retransmet la musique de la boîte. Bizarre ça. Mais pendant un moment, il n'y a pas eu de musique ici. Il y en avait toujours là-bas, je ne crois pas pourquoi. À mon avis, il y a quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on entende des toilettes. Mais c'est ça, ça promet. Il ne faut pas se faire repérer. Tu vas aller danser. Vraiment? Oui. Je viens d'en repérer. Parfait. Qu'est-ce que je lui dis si elle me demande pourquoi tu danses pas? Que je suis sur un coup. Cette boîte doit avoir quelque chose de spécial. J'ai l'impression qu'il y a des issues et des pièces supplémentaires. Vous voulez fouiller la discothèque? Non, je vais attendre, parce que si je fais ça, je risque de ne plus rien apprendre. Qu'est-ce que vous comptez faire? À qui appartient cette boîte? Un nommé Caroli, un Hongrois. Il n'a rien à se reprocher. Il est plutôt calme. Ou alors, il cache bien son jeu. Eh oui, c'est possible. On va y retourner et faire un petit tour. Mais plus en tant que client, naturellement. Dis donc, c'est bien payé et c'est pas fatigant. C'est pas la peine de les prendre, ils sont de chez nous. Bonsoir. Tiens, bonsoir. Dites-moi, ce soir, il y a de l'ambiance? Ah oui, oui, oui. Ça a été hier soir. Oui, moi, je savais déjà que c'était pas la dernière fois que nous viendrions. Beaucoup de gens disent ça. Ah, tiens, bonsoir. Bonsoir. Enfin, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous demande pardon. Le haut-parleur s'est arrêté. Vous êtes sûr? C'est vous qui l'avez débranché? Oh non, moi j'adore la musique. C'est pas très audible. Attendez, je fais la mise au point. Il a trop pressé sur le micro en le fixant. Seulement au début de la bande. Ça, c'est un bruit jeton, on dirait. Et ça, on dirait une roulette. La bille. J'ai l'impression qu'on joue. Oui, certainement dans la cave. À mon avis, il faudrait faire une descente dans la boîte de nuit. En tout cas, c'est pas la première fois que les patrons disparaissent quand il y a du grabuge. Le bar et le club de jeu ne m'intéressent pas. Qu'on joue illégalement, ça, ce n'est pas mes oignons. La mort de Mme Wenger a probablement un rapport avec ce tripot. C'est ça qui m'intéresse. Vous voulez réentendre le mari? Non. Non, non, je préfère le laisser tranquille pour le moment. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me suis un peu fait attendre. J'ai pris plusieurs clichés des gens qui risquent de vous intéresser. Des gens plutôt connus pour la plupart. Il y a une comédienne. Le type qui est à côté d'elle vient de faire un héritage monstrueux. Là, c'est un playboy. Et enfin, un producteur.
Qu'est-ce que ça a donné hier soir, finalement? Dans ce bar, il y a un prépôt privé pour les gens qui ne veulent pas aller à Wiesen ou à Baden-Baden. Ah, si je m'attendais à ça, ça constitue un sacré document, alors. Tu l'as dit? Oui. Aucun de ces individus n'était au bar. Ce qui veut dire qu'ils étaient dans le tripot clandestin. Maintenant, je veux des noms et des adresses. Dis-moi qui tu connais là-dedans. Entrez. Bonjour, Monsieur Bergman. Tiens, bonjour. Monsieur l'inspecteur principal Derrick. Oui. De quoi s'agit-il? De la visite que vous avez effectuée au club de jeu hier. C'est une photographie où l'on me voit sortant de ma voiture, c'est tout. Vous êtes entré dans ce bar hier soir, mais dans ce bar, il y a un club de jeu clandestin. Eh bien, si c'est ce que vous affirmez, pourquoi ne faites-vous pas fermer le club? Qu'attendez-vous de moi? Eh bien, j'ai un service à vous demander. Que dois-je faire? J'ai simplement besoin que vous m'y emmeniez ce soir. Désolé, mais je n'ai pas l'intention de sortir. Il faut pourtant être parrainé par quelqu'un. Je pense qu'un nouveau client doit être introduit par un habitué. J'ai du mal à vous suivre, monsieur l'inspecteur. Puisque vous savez de quoi il s'agit, la meilleure carte de visite serait votre carte de police, non? Écoutez, je fais partie de la brigade criminelle et non de la brigade des jeux. Une jeune femme a été tuée et je dois retrouver l'assassin. Je suis sur une piste qui m'a conduit à ce club de jeu. Je ne pense pas que je puisse vous être utile, inspecteur. Je voudrais vous montrer quelques photos. C'est la jeune femme qui a été tuée? Oui. Pourquoi voulez-vous que je les regarde? Écoutez, il faut que je puisse entrer dans votre cercle sans me faire remarquer. Je vous demande de m'aider. Je vous promets que cette affaire ne vous nuira pas. C'est du chantage, inspecteur. Non, c'est pas du chantage, c'est une demande. Si jamais je refuse d'y répondre, alors je suppose que vous me poursuivrez sous prétexte de m'avoir vu là-bas. Je ne ferai rien du tout. À bientôt. Monsieur l'inspecteur, vous savez, les nouveaux clients ne sont admis qu'après qu'on ait vérifié leur identité. Il faudra que vous leur donniez vos papiers. Ils sont conservés pour les vérifications. Vous savez, ils connaissent leur métier. Je ne suis pas très rassuré quant aux conséquences. Vous avez votre arme avec vous? Bien sûr que non. Ils vont me fouiller, ces courriers d'avance. Tiens, tes papiers. Merci. Donc tu t'appelles Harkötter de Dortmund. Il existe vraiment. Voici son téléphone. Oui, mais ce type est-il au courant? Oui, oui, je l'ai aidé à retrouver sa fille à Schwabing et il m'en sera toujours reconnaissant, soi-disant. Bon, mon bienfaiteur m'attend. Ciao. C'est votre travail, après tout, que je suis en train de faire. Laissez-moi avoir l'illusion que les citoyens font quelque chose pour aider la police dans son travail. Tenez. Où est-ce? Par ici. Je vous suis. Bien. Hein? Une seconde. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous avez annoncé un nouveau client, monsieur Bergman? Oui, un industriel de Dortmund, monsieur Harkötter. C'est moi. Bonsoir, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. Merci. Le système de vérification est mis en route. Vous savez, ici, la sécurité, c'est quelque chose de sérieux. Je trouve ça tout à fait excitant. C'est vrai, c'est quelque chose qui est illégal. C'est votre première visite ici? Oui. On dirait qu'ils nous font attendre bien longtemps ce soir. Ils sonnent seulement quand toutes les vérifications sont faites. Oh, je trouve ça passionnant. Tout à fait d'accord. À tout à l'heure. Par ici, messieurs, dames.
Qu'est-ce que vous en dites? J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Pardon, je vous en prie. Regardez bien les gens qui sont là. Non, j'ai du mal à imaginer un meurtre ici. C'est celui qui est à côté de M. Bergman. M. Bergman est un excellent client du club, tu sais. Il nous laisse beaucoup d'argent. M. Harketer est l'un de ses meilleurs amis. Il y a un problème, à ton avis? On n'en sait rien. Occupe-toi de ce type-là. D'accord. Il a l'air bien, non? Il n'a pas la tête d'un flic. Les flics, d'après toi, ont une tête particulière. Messieurs, dames, faites vos jeux. Allez. Il faut jouer, maintenant. À combien s'élève votre note de frais pour ce soir? Il faut que vous jouiez, si vous voulez éviter de vous faire... J'ai un peu d'argent sur moi. De l'argent à vous? Il n'y a pas de crainte à ce sujet. Le crime, ça rapporte. M'en tire bien. Excusez-moi, je vais prendre des jetons. Faites donc. S'il vous plaît. Vous désirez? Je vois que vous avez trouvé du travail. Vous n'êtes plus au chômage. Et en plus, c'est un emploi stable, n'est-ce pas? Mais... qu'est-ce que vous faites ici? Surtout pas un mot, d'accord? On ne se connaît pas, c'est compris. Oui. Je comptais prendre un whisky, mais je crois que je vais en prendre un double, finalement. Alors, vous êtes prêt à jouer? Oui, j'ai déjà tiré un très bon numéro. Je croise les doigts. Merci. Voilà. Merci. Sur le 13. Le 13. Le 13, noir, impair et manque. En plein. Souris. Oui, on dirait. Je vais faire une pause. Ah oui? Ça fait un bon bout de temps que je vous regarde. Pourquoi vous arrêtez-vous? Oh, je n'arrête pas, je fais une pause. Vous avez un truc, j'imagine. Plusieurs, devrais-je dire. Mais vous ne jouez pas, vous? Je préfère le baccarat. Et ça n'ouvre que plus tard dans la soirée. Il n'y a pas une sorte de surveillance ici? Non, aucune surveillance. C'est mieux, je crois, que l'on ne voit personne. Vous n'êtes donc qu'une cliente? Oui. Dites-moi, ça ne vous ennuie pas si je vous offre un verre? Non, pas du tout, avec joie. Nous avons téléphoné à Dortmund chez M. Harketer. Sa femme nous a dit qu'il se trouvait à Munich. Et on peut le joindre chez M. Bergman en cas d'urgence. Il nous a même donné le numéro de téléphone. C'est un local extraordinaire. Il existe depuis longtemps? Je n'en sais rien. Ça ne fait pas longtemps que je viens ici. Vous aimez jouer? J'aime tenter ma chance. Ah, moi, c'est pareil. Ce qui est tentant, c'est de tout jouer sur le même numéro. La bille roule, et on ne sait jamais à quel endroit elle va se poser. Certaines personnes peuvent être qualifiées de joueurs professionnels. Pas vous, on dirait? Non, je préfère évaluer les chances que je peux avoir. C'est un très joli bijou que vous avez là. De famille, je suppose? Non. Établis-moi une communication avec ce monsieur Harketer de Dortmund. Entendu. Dis-moi, tu as l'air méfiant. Oui, c'est vrai. Je n'y peux rien. Une carte? 9 à la banque. 8. Allô, oui. Ici la police criminelle de Munich. J'ai une question à vous poser. Quelqu'un vous a appelé tout à l'heure. Un de mes collègues vous a téléphoné. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, elle va appeler son mari. Il est au courant, paraît-il. Essaie de joindre Irène au téléphone, seulement sans que le type le remarque.
ne veux pas y faire un saut? Tout seul, ça ne veut rien dire. À ce moment-là, c'est une descente qu'il faudrait faire. Oui, mais ça serait pas idiot, après tout. Tu dois être inquiet, j'imagine. Non, ça ne durera pas longtemps. Ça va fermer bientôt, de toute façon. Monsieur? Oui? Voilà. Ah oui, je vous remercie. Alors, c'est à vous, je crois. Non, c'est votre argent, gardez-le, je vous en fais cadeau. Merci. Nous avons tous les deux fait des bénéfices. Oui, j'en ai l'impression. Vous pensez rester? Oui, je crois. Merci pour tout. Bonsoir. Alors, dites-moi, ça a été? J'ai perdu. J'ai bu pour me consoler. Je devrais éviter de prendre ma voiture. Est-ce que je peux vous aider? Eh bien, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais que vous me raccompagniez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Venez. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire de lui? Elle va l'éloigner pour la nuit. Ce n'est pas loin d'ici, c'est à côté de Lizard. Voulez-vous venir boire un dernier verre? Oui, avec plaisir. C'est ravissant chez vous. Vous vivez seul? Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Faites comme chez vous. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Je vais faire un peu de café. Non, attendez. Écoutez, il se fait tard. Vous voulez déjà vous en aller? Si vous voulez rester dormir ici, aucun problème. Oui? Ah, enfin, c'est toi. Mais dis-moi, où es-tu? Pourquoi un taxi? Ah oui, compris. Et à quel numéro? D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai appelé un taxi, il faut que je rentre. Oh, ce n'est pas très gentil. Je suis désolé. Écoutez, je vous ai proposé de rester, vous n'allez pas refuser. Nous allons renvoyer le taxi. Non, ce n'est pas la peine, le taxi m'attend en bas. Allez, roule, Harry. Tu t'arrêteras au coin. Qu'est-ce que tu faisais, là? Eh bien, je viens de faire la connaissance d'une femme qui voulait que je passe la nuit avec elle. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Je crois qu'elle sait... Enfin, qu'elle se doute de qui je suis. Tiens, la voiture blanche, là, c'est la sienne. Il va falloir la surveiller. Elle peut descendre à n'importe quel moment. Et toi, qui est-ce que tu vas surveiller? Wenger. Il est serveur au club de jeu. Ah oui? Arrête-toi. Ne la perds pas de vue un instant. Wenger. Wenger. Oui. Mais où est-ce que tu es? Bien, je suis à Hastings. Un patelin que je viens de découvrir. Je suis dans une cabine téléphonique. Oui, la jeune femme est ressortie. Elle a pris sa voiture blanche, il devait être 3 heures. Et elle a disparu dans le village. Dis-moi, Harry, à ton avis, elle a remarqué que tu la suivais? D'accord. Amène-toi tout de suite. Oh, j'ai pas pu voir Wenger. Je vais faire ouvrir chez lui. Quand il est rentré, il devait être à peu près 2 heures ou 2 heures et demie. De toute façon, il est tout de suite reparti. Il nous a dit qu'il devait s'absenter sans préciser quand il reviendrait. Son gosse s'est réveillé, il ne veut surtout pas le laisser seul. Alors je lui ai dit, laissez-le nous, ma femme sera contente. Et alors il vous l'a confié? Oui, et après il est descendu. Il était tout seul? Oui, j'ai vu qu'il avait emporté une valise. Je lui ai demandé s'il partait en voyage. Seulement une journée, qu'il me dit. À votre avis, il était poursuivi? J'en sais rien, tout ce que je peux dire, c'est qu'il était pressé. Hélène, le gosse est là? Bonjour, Tobias. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir?
Ton père est descendu avec toi et puis il t'a amené ici. Je crois qu'il avait une petite valise. Tobias, tu peux me dire où il allait? Alors ça, j'en sais rien. Il m'a rien dit du tout. Il était tout seul? Oui, mais j'ai vu que dans la rue, il y avait deux bons hommes qui l'attendaient. Deux messieurs? J'ai vu ça par la fenêtre. Et ces messieurs, tu les connaissais? Tu les avais vus avant? Non. Il va falloir qu'on s'absente. Vous pouvez garder le petit? Bien sûr, oui. Vous êtes gentil. Ah, enfin, vous voilà. Il y avait un bar hier, ici. Et là, la salle de jeu. Et voilà ce qu'il en reste. Regarde-moi ça. Si on m'avait écouté, on les aurait déjà arrêtés. Mais tu voulais attendre. Et évidemment, il n'y a personne. Et non, ni mort, ni vivant. Allons voir où se trouve la voiture blanche. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'arrive à admirer le coin. Cette nuit, je ne regardais que la voiture. J'espère qu'elle ne t'a pas vu. J'espère aussi. C'est un endroit plutôt accueillant. Oui, c'est tranquille. Et c'est là que la voiture a disparu. Oui, par là. C'est un cul-de-sac. Où est-ce que ça va? Ah, excusez-moi, ce château-là, c'est une propriété privée? C'est de la pension que vous parlez? Ah bon, c'est une pension? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pas une pension ordinaire. Hein. Si vous voulez y vivre, il faut avoir beaucoup d'argent. Ah, je vois, oui, merci. Oh, de rien. Vous cherchez quelque chose? Dites-moi, ici, c'est une pension? Une pension privée, oui, une fondation. Est-ce que je pourrais parler au directeur de cet établissement? Au directeur? Mais M. Kepler est absent pour l'instant. Il faudrait que vous preniez rendez-vous pour le voir. Écoutez, nous sommes simplement venus à tout hasard. Le personnel du bureau n'est même pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Il faut téléphoner, c'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. Alors, où est-ce qu'on va? Oh, pas loin. Visiter tranquillement la région. Tenez, il y a quelqu'un qui fait partie de la pension là-bas. Merci. Est-ce que vous allez? Attendez. Là-bas, regardez. Allez, lâchez le chien. On dirait qu'ils nous en veulent. J'ai l'impression, oui. Bonjour. Bonjour. Donnez-nous deux bières, s'il vous plaît. Très bien. Dites, c'est une coutume de votre pays de lâcher les chiens sur les gens? Vous avez certainement été au château. Quoi, on n'a pas le droit? Non, c'est privé. C'est une maison de retraite. C'est un endroit qui est défendu. Ce sont des gens très très riches, rien de particulier à en dire. À part qu'ils envoient une partie de leur fortune aux Indes pour combattre la faim. C'est le curé qui me l'a dit, c'est lui qui célèbre les offices à la pension. Vous dites qu'ils envoient une partie de leur fortune? Oui, ça ne fait pas tellement la joie de leur famille. Je veux parler des héritiers, seulement que peut-on y faire? Voilà. Merci beaucoup.
ces gens que vous voyez. Ils viennent d'enterrer leur grand-père. Il habitait à la pension? Oui. Il est mort depuis 4 jours. Bonjour. Je m'appelle Eric et voici M. Klein. Bonjour. Vous permettez que je m'assieds un petit instant? Bien sûr. Merci. Vous avez enterré votre grand-père il y a quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Il a vécu au château? Oui, ces 2 dernières années. Mm-hmm. Et il est mort de quoi? D'un infarctus, d'un seul coup. 2 jours avant sa mort, nous l'avions eu au téléphone. Excusez-moi, mais le repas est servi. Pas de coup de fil, pas de courrier? Hélas, pas encore. Nous attendrons après-demain. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça ira. Pourquoi toutes ces questions? Eh bien, voyez-vous, je m'intéresse aux conditions de vie au château. Que voulez-vous dire? Je voudrais savoir comment on y est traité. Oh, très bien, rassurez-vous. Quoique la pension ne soit pas donnée. Les gens qui sont là-bas, d'après ce qu'on m'a dit, ont des intérêts particuliers. Oui, ils ont créé une sorte de mouvement de charité. Ils donnent beaucoup de leur fortune. Les pensionnaires, pour la plupart, ont énormément d'argent et mon grand-père était très riche, lui aussi. Mais que deviennent les fonds recueillis? On transfère toute la somme aux Indes. Ces gens s'engagent très sérieusement. Ils veulent à tout prix qu'on leur rende compte de la destination de leurs sous. La plupart étaient commerçants. Mon grand-père aussi. Dites-moi un peu, Anita Wenger, ça vous dit quelque chose? Oui, mais où est cette femme? Nous la cherchons. C'était l'infirmière de mon grand-père. Chaque fois qu'il nous écrivait, il parlait de cette fille. Nous voulions la voir, seulement, à ce qu'il paraît, sa famille l'aurait réclamée à Munich. Nous l'attendons, c'est pour ça que nous sommes là. Oui, mais pourquoi vouliez-vous la voir? Mon grand-père l'a mise sur son testament. Elle est morte, ce n'est plus la peine que vous l'attendiez à présent. Qu'est-ce que vous dites? Elle est morte assassinée. Pourriez-vous me passer le château, s'il vous plaît? Tout de suite. Bonjour, Madame Vidoff. Bonjour. Excusez-moi, seulement j'attends la police criminelle. Je crois que vous êtes commerçant, c'est bien ça? Non, je suis de la police criminelle de Munich. Veuillez me suivre. Allons-y. C'est la police, j'imagine? Oui, brigade criminelle. Ce sont eux que nous attendions. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Derrick et voici M. Klein. Kepler. M. Kepler, nous étions au cimetière du château il y a quelques instants. Quelqu'un a dû y être enterré, n'est-ce pas? Oui, il s'agit de l'un des pensionnaires de notre maison qui vient de mourir, M. Bovenberg. Mort d'un seul coup? Oui, subitement. Je crois qu'il n'a pas souffert. Il est mort d'un infarctus. Qui a établi l'acte de décès? Mais que signifient toutes ces questions? Nous avons notre médecin, c'est lui qui s'occupe de ça. Vous avez une infirmière ici qui s'appelle Anita Wenger. Oui. Je comprends pourquoi vous êtes venue. Elle est morte, à ce qu'il paraît. C'est par la presse que j'ai appris son décès. En fait, je vous avoue que je ne sais pas grand-chose sur cette histoire. Elle est partie à Munich pour voir son mari il y a une semaine. Je me souviens qu'il était serveur dans une boîte de nuit. Ce n'est pas un endroit qui a bonne réputation, d'après Madame Wenger. Vous connaissiez M. Wenger? Non, je suis désolé. Seulement vous, vous le connaissiez. Vous saviez même où il travaillait. Où travaillait-il? À ce club de jeux privé. Il était serveur là-bas. Nous nous sommes vus, rappelez-vous, dans ce club privé. Un moment, un club de jeux, vous dites? Oui, excusez-moi. Mais je me trouvais dans une salle de jeux privée hier soir. Mais comment avez-vous atterri dans un endroit pareil, cher ami? Monsieur le directeur, je me permets de vous rappeler que dans une demi-heure va avoir lieu le début de la séance. Je vous remercie. Je vous promets d'être à l'heure. Il s'agit d'une séance de cinéma? Oui. Parce que nous voulons montrer les conditions de vie en Inde. On nous transmet des films par l'intermédiaire de l'UNESCO. Les conditions de vie sont très pénibles là-bas. Je suis au courant, oui. C'est pour tous vos pensionnaires que vous organisez cette petite séance. Écoutez, tout ceci n'est pas une obligation. Ils font ça de bon cœur. Avec de l'argent? Oui, avec de l'argent. De l'argent qu'on vous remet, c'est ça? Je n'ai absolument rien à me reprocher. Venez avec moi. Vous m'expliquerez ce que vous faisiez dans cette salle de jeu.
Par ici. Les transferts directs vers les Indes, c'est ça, hein? Grâce à la banque de Bavière. Oui, 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 je crois. Ce sont de grosses sommes. Plusieurs millions, à ce que je vois. Oui, des millions. Monsieur Bovenberg a donné de l'argent également. Oui, il a donné, comme tout le monde. Permettez-moi de vous poser une question, cher monsieur. Allez-y. Le petit-fils de monsieur Bovenberg est au village à côté. J'ai parlé avec lui et avec sa femme. Ils m'ont affirmé que le défunt avait, comment dirais-je, une affection très forte pour Anita Wenger. Ah oui ? Oh, je ne savais pas ce détail. À ce point qu'il l'a couchée sur son testament. Plus je réfléchis et plus je me demande pourquoi elle n'a pas été à l'enterrement de son bienfaiteur. Elle est allée précipitamment à Munich. Enfin, comment ça, précipitamment ? Je vous ai dit qu'elle a été obligée de partir pour voir son mari, ce qui devait être plus urgent, tout de même. Je n'ai fait que poser une question. Monsieur le directeur, la séance va bientôt commencer. Très bien, j'arrive. Voulez-vous y assister ? Je suis sûr que ça vous intéressera. Oh, eh bien, je vous suis. Notre aumônier nous a beaucoup aidés en ce qui concerne notre action humanitaire. Ce que vous voyez là est un échantillon de gens très riches qui sont heureux de donner une part de leurs biens. Et de prendre l'épée pour couper leur manteau afin de couvrir la nudité d'autrui. À tout à l'heure. Vous n'avez qu'à vous asseoir devant. Merci, je ne voudrais surtout pas les rentrer. Nous nous verrons plus tard. C'est un devoir pour moi d'avoir aujourd'hui l'occasion de vous montrer un nouveau documentaire sur la misère qui règne encore dans des pays tels que l'Inde qui souffre de la faim. J'attire votre attention sur le fait qu'il est primordial de ne pas relâcher notre aide. C'est grâce à vous qu'il y a un peu d'espoir pour ces malheureux qui, devant Dieu, demeurent nos frères et nos sœurs. Veuillez éteindre, s'il vous plaît. Les ravages causés par la famine en Inde sont difficiles à imaginer pour un occidental. Les conditions de vie de la population sont devenues encore plus difficiles durant ces 15 dernières années. Le pays est maintenant complètement dépendant de l'aide apportée par l'étranger. Un appel a été lancé au monde entier pour venir en aide à ce pays ravagé par la misère. La population est obligée de quitter la ville dans l'espoir de trouver un peu de nourriture dans les campagnes. Mais c'est hélas en vain. Les gens sont concentrés dans des camps surpeuplés où ils sont menacés par les épidémies de toutes sortes, les plus vulnérables étant les enfants et les personnes âgées. L'UNESCO, des organismes chrétiens et la Croix-Rouge internationale font leur possible pour leur venir en aide. Vous êtes de la police criminelle ? Quel est votre nom ? Blesch, je m'appelle Blesch. Vous dira certainement quelque chose. Je suis armateur, à Brême. Pourquoi vous êtes-vous enfui du cimetière en courant ? Pourquoi la police criminelle ? Vous êtes venu pour Bovenberg ? Il a eu un infarctus, paraît-il. Il a crié. En fait, tout le monde a entendu un cri. Comment est-il possible de crier de la sorte lorsque l'on a un infarctus ? Je me souviens, il a crié tellement fort. Mais j'y pense, vous n'êtes peut-être pas docteur. Enfin, j'imagine. Si on passait à côté. On peut penser Bovenberg que Bovenberg disait sans arrêt qu'il voulait savoir où passer l'argent que tous les pensionnaires envoient en faveur de l'Inde. Son ancienne profession lui a permis de garder des relations avec l'étranger à qui il écrivait très souvent. Il leur demandait de se renseigner parce qu'il voulait savoir ce qu'il advenait de l'argent expédié. C'était quelqu'un pour qui cette action comptait énormément. Monsieur Bovenberg avait découvert que le compte ouvert en Inde ne correspondait en fait pas du tout avec les comptes tenus par les organisations européennes. Il a désigné quelqu'un de compétent afin d'effectuer la vérification. Finalement, on a découvert que le compte à Calcutta existait bien, ça c'est certain. Seulement,
La quasi-totalité de l'argent envoyé en Inde, sauf quelques sommes, car vous vous doutez bien qu'il fallait approvisionner le compte, eh bien cet argent a été reviré, devinez où ? Dans une banque suisse. Et quel rôle joue votre aumônier dans cette histoire ? Ça, je l'ignore. Ce qu'il faut surtout retenir dans les images qui vous sont montrées dans ce document, c'est que malgré leur misère, malgré leur douleur, ces gens sont avant tout vos frères et vos sœurs. C'est Bovenberg qui m'a raconté tout ça. Il l'a raconté à Anita Wenger aussi. Il lui a fait part des preuves du détournement. Il a voulu tenir le directeur au courant de cette affaire. Et c'est alors que j'ai entendu ce cri affreux. On nous a dit qu'il était mort d'un infarctus surprenant. C'est après ça que Madame Wenger a emmené l'enfant à Munich. Mais qu'est-ce qu'il avait comme preuve ? Cet ami qui devait vérifier la bonne tenue des comptes, il a envoyé une lettre. Madame Wenger ne vous l'a pas confiée ? Non, car Anita Wenger est morte, on l'a tuée. La lumière, s'il vous plaît. Mes amis, nous sommes tous trop émus pour entamer une discussion maintenant. Ces images, nous allons les repasser dans nos têtes et nous nous reverrons lorsque nous nous serons ressaisis. Alors, qu'en pensez-vous ? Elles sont terrifiantes, ces images. Impressionnantes, en effet. Nos pensionnaires aussi sont impressionnés. Je vous demanderai de me suivre, Monsieur Kepler. Ce sont les fantasmes d'un vieil imbécile sénile et qui n'a plus tout à fait sa tête. Et vous, vous gobez tout ce qu'il vous raconte. J'aimerais bien les voir, ces preuves. Mais montrez-les-moi. Oui, c'est bien Wenger. Où est-ce qu'il a été trouvé ? Dans l'Isard. Il avait de l'eau dans les poumons, noyé. Attendez, Wenger, vous dites ? Non, ça ne me dit rien. Vous n'obtiendrez aucun résultat, parce qu'il faut lui montrer les preuves. Oui, je sais, mais ce que je voudrais savoir, c'est où elles sont, ces preuves. C'est Anita Wenger qui les avait, mais elle n'a pas voulu les donner à Kepler. C'est pour ça qu'il l'a fait disparaître. Elle a mis les pièces à conviction à l'abri. Mais où ça ? Elle a eu peur. C'est la raison pour laquelle elle est partie à Munich avec son gosse pour rejoindre l'homme dont elle était séparée. Étant donné qu'ils viennent de faire disparaître le mari, le gosse est seul. Anita Wenger apprend que Kepler a un club de jeux clandestins, ce qui fait qu'elle en sait trop. Elle est protégée uniquement par cette lettre. Où est-ce qu'elle l'a planquée ? Laisse ça tranquille. C'est à moi, ça. Oui, je sais qu'elle est à toi. Seulement, elle est un peu cassée. Mon père, il va la réparer. C'est amusant, j'ai remarqué une chose. Il veut bien qu'on s'amuse avec tous ses jouets, sauf la toupie. Ma mère, elle a dit que c'est à moi et c'est tout. Alors laisse-la tranquille. J'espère que c'est toi qui as raison. Est-ce qu'on peut rentrer une minute ? Oui, bien sûr. Merci. Où est le gosse ? Dans la cuisine. Tobias. Je voudrais que tu me prêtes ta toupie. Non. Ça, il n'y a rien à faire. Il ne vous la donnera pas. Je crois que c'est sa mère qui lui a dit de ne pas la donner. S'il te plaît, Tobias, tu me fais voir ta toupie. Hein. T'es un ange. Voilà les preuves, Kepler. Quelle aubaine pour vous, la fin dans le monde. Vous avez profité de la bonté de vos pensionnaires et de leur générosité pour vous approprier l'argent. Je voudrais voir ce qu'il y a d'écrit. Non, ceci est hors de question. Je ne suis coupable que d'un simple détournement de fonds. Vous êtes un minable escroc et un meurtrier. Vous n'avez aucune preuve. Ou que si, j'en ai. Tobias,
Dis-moi, c'est un des messieurs qui ont emmené ton papa? Ouais, c'est bien ce monsieur.